Salut, bienvenue sur Picomath. Dans cette vidéo, on va s'intéresser au domaine de définition des fonctions qui ont un dénominateur avec des x en dessous. Je commence par la plus simple, la fonction inverse. Quand j'ai un dénominateur, en fait là j'ai une division, j'ai une barre de fraction. On n'a pas le droit de diviser par 0 puisque ça n'a pas de sens. Donc ici, la seule valeur de x qui m'empêche de calculer une image, c'est 0. Si x est égal à 0, je vais avoir 1 divisé par 0, ce qui est impossible. Donc en fait, je n'ai pas d'image en face. Et si je n'ai pas d'image en face, ça veut dire que la fonction n'est pas définie. Il faut que le dénominateur soit différent de 0. Ici, il faut que x soit différent de 0. D'où son domaine de définition qu'on va appeler df. D comme domaine et f comme le nom de la fonction. Ça va être l'ensemble des réels, c'est-à-dire n'importe quel nombre réel, sauf 0. Qu'on va matérialiser par une petite astérisque qu'on met en exposant. Ça veut dire tous les nombres réels, sauf 0. Donc cette fonction-là, je peux prendre n'importe quel nombre, je peux faire 1 divisé par ce nombre, sauf 0, parce que sinon je me retrouve avec une division par 0. On va le faire sur des exemples un petit peu plus compliqués. Si je cherche le domaine de définition de cette fonction, au numérateur, je peux mettre n'importe quelle valeur réelle, n'importe quel nombre. Je peux toujours calculer x moins 1. Ce qui pose problème, c'est le dénominateur. Le dénominateur, il ne faut pas qu'il s'annule. S'il s'annule, je me retrouve avec une division par 0 et je ne peux pas trouver l'image de x par f. Donc là, on va chercher quand est-ce que le dénominateur s'annule. Cherchons 2x plus 3 égale à 0. Donc ça, c'est des équations qu'on sait parfaitement résoudre au collège. Hein, donc il n'y a pas de souci au lycée, c'est pareil. Donc on fait moins 3 de chaque côté, puis après on divise tout par 2, ce qui nous donne x est égal à moins 3 demi. Quand x est égal à moins 3 demi, j'ai mon dénominateur qui s'annule. Ça veut dire que cette fonction va être définie pour tous les nombres réels, sauf les valeurs qui annulent le dénominateur, c'est-à-dire moins 3 demi. Alors si je note le domaine de définition de f, ça va être r moins moins 3 demi. Si je l'écris avec des crochets, ça va me donner... Si je l'écris avec des crochets, le domaine de définition peut s'écrire aussi moins l'infini, point virgule, moins 3. Crochet ouvert, pour dire que je ne prends pas moins 3 demi, U pour union, moins 3 demi, point virgule, plus l'infini. Je peux l'écrire aussi sous cette forme-là. Celle-ci est quand même plus ramassée, plus condensée. Maintenant, on va chercher le domaine de définition dans un autre cas. On va compliquer un petit peu. Au dénominateur, on va mettre x moins 2 facteur de x plus 1. Voilà. Au numérateur, j'ai mis simplement 1, mais on pourrait mettre n'importe quoi, ça reviendrait au même. Enfin, du moins pour le domaine de définition. Nous avons un dénominateur, donc le dénominateur, il ne faut pas qu'il s'annule. Sinon, je ne peux pas trouver d'image pour f. Si je ne trouve pas d'image pour f, je ne pourrais pas placer le point sur mon graphique. La fonction n'est pas définie pour les valeurs qui annulent le dénominateur. On va simplement chercher les valeurs qui annulent le dénominateur. Cherchons x moins 2 facteur de x plus 1 égale à 0. C'est pratique, je l'ai mis déjà sous une forme factorisée. Donc quand est-ce que ça s'annule? J'ai un produit de facteurs, donc ça s'annule quand l'un des deux facteurs est nul, ou les deux. Mais là, ça ne va pas être possible. Si x est égal à 2, ce facteur s'annule, donc le dénominateur va s'annuler. Si x est égal à moins 1, ce facteur s'annule, le produit s'annule. Donc en fait, si on a cette équation-là, ça revient, on a comme solution x égale à 2, ça annule l'expression, ou x est égal à moins 1. Ce qui veut dire que pour ma fonction, pour le domaine de définition, il ne faut surtout pas que x soit égal à 2 ou à moins 1, puisque ça va m'annuler le dénominateur et la fonction n'aura pas d'image, elle ne sera pas définie. Le domaine de définition, je le rappelle, c'est l'ensemble des valeurs de x pour lesquelles on a une image, c'est-à-dire on peut la calculer. Alors, je peux l'écrire sous la forme, le domaine de définition df. Alors, je peux noter r moins les deux valeurs, c'est-à-dire moins 1 et 2, moins 1, point virgule 2, pour lesquelles
La fonction n'est pas définie. Je peux l'écrire sous cette forme-là ou alors je peux l'écrire avec des crochets. Alors je vais le faire ici. Je peux l'écrire sous cette forme-là aussi. Moins l'infini, point virgule, moins 1. Moins 1 exclu, hein, je mets bien le crochet dans ce sens-là. Union, moins 1, point virgule, 2. 2 exclu, union, 2, point virgule, plus l'infini. Je peux l'écrire aussi sous cette forme-là. Voilà pour cet exemple. Je vais en faire encore un peu. Ici, j'ai une nouvelle fonction rationnelle. Il ne faut pas que le dénominateur s'annule, puisque sinon je vais me retrouver avec une division par zéro. Je reconnais ici une identité remarquable que je vais pouvoir factoriser. Alors on a f de x qui est égal à 3x plus 2 sur x. Alors, x plus 1 au carré. Ici, le dénominateur ne doit pas s'annuler, sinon la fonction n'est pas définie. On cherche x plus 1 au carré égale à 0. X doit être, la solution, c'est x égale à moins 1. Si x égale à moins 1, je vais avoir x moins 1, enfin moins 1 plus 1, c'est égal à 0. 0 au carré, ça fait 0. Donc en fait, ici, pour cette fonction-là, le domaine de définition, ça va être l'ensemble des réels, sauf moins 1, parce qu'il m'annule le dénominateur. Le domaine de définition de la fonction f, ça va être r moins moins 1, que je peux écrire aussi sous forme de crochet, si ça me fait plaisir. Je peux mettre moins l'infini, moins 1 exclu, union, moins 1, point virgule, plus l'infini. Je peux aussi écrire ça comme ça. Alors, dernier exemple, j'ai une fonction rationnelle, un dénominateur divisé par un dénominateur. Ici, comme j'ai un dénominateur, il ne faut surtout pas qu'il s'annule, sinon la fonction ne serait pas définie. Donc, on va chercher les valeurs qui annulent le dénominateur. Quand je regarde le dénominateur, je ne reconnais pas d'identité remarquable. Dans un premier temps, je vois qu'il y a des 5 partout, donc je peux commencer par factoriser par 5. F de x est égal à x moins 1 sur 5 facteur de x au carré moins x plus 1. Voilà. Donc là, ça, c'est pas une identité remarquable. C'est un trinôme du second degré. Je vais calculer le discriminant de ce trinôme. Calculons le discriminant du trinôme x au carré moins x plus 1. Alors je rappelle que quand on a un trinôme sous cette forme-là, ax au carré plus bx plus c, le discriminant, ça va être égal à b au carré moins 4ac. Donc je remplace. Alors b au carré, ça va être moins 1 au carré. Moins 4 fois a, c'est 1. Et c, c'est 1. Ce qui me donne 1 moins 4, delta est égal à moins 3. Quand j'ai un discriminant qui est inférieur à 0, je n'ai pas de racine. Ce qui veut dire que mon trinôme, le trinôme qui est ici, ne s'annule jamais. Je n'ai pas de racine, ça s'annule pas. Alors, résultat des courses, j'ai un numérateur qui ne me pose aucun problème. J'ai un dénominateur qui ne peut pas s'annuler, ça veut dire que cette fonction rationnelle, celle-ci ou celle-là, hein, c'est la même, je peux calculer l'image pour n'importe quelle valeur de x. Ça veut dire que son domaine de définition, ça va être tout simplement R. Ça arrive parfois. Voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Abonne-toi, il y en a régulièrement. À bientôt!